Hey, salut à tous les amis, c'est Sarah de la chaîne ASMLU, je suis avec Sandar. Coucou. Trêve de plaisanterie, on se retrouve pour une ouverture d'un truc vraiment cool que Sandar a choisi, qu'on avait dans la collection depuis quelques temps, et on n'a plus d'eau dans notre appart. Ça n'a aucun rapport, mais c'est trop chiant. Le coffret Dracofeu X, c'est plutôt cool. Qu'on avait acheté à l'époque au Leclerc parce qu'on le trouvait nulle part, et en fait finalement ils l'ont mis partout. Donc ouais, en fait du coup il est pas rare du tout, donc on va se l'ouvrir. Ça contient deux boosters offensive vapeur et deux boosters évolution, comme ça on va ouvrir un chacun. Et on a une carte promotionnelle Dracofeu X et une jumbo. Je pense que Sandar va commencer cette ouverture. Alors, montre-nous cette carte promo Sandar. Et donc la voici, la belle Dracofeu X. Elle est vraiment belle, sa grosse mâchoire qui fait... Une illustration de SK Yoshinob. Pour une fois que c'est pas 5 ban ou 5 ban graphique que je n'aime pas, bah c'est plutôt cool. La jumbo, voilà, qui est exactement la même, mais bon, en grand, donc c'est cool, hein, toujours pareil, on mettra dans un cadre parce qu'on a une Tortank, une Dracofeu et on a une Florizarre qui va pas tarder à arriver puisqu'on a un coffret. Dans les boosters, nous avons en offensive vapeur un Gardevoir et un Zoruar Turbo, et dans les évolutions, un Raichu et un Dracofeu. Donc je suppose que tu vas vouloir prendre le Dracofeu en évolution, d'accord, je te le laisse. Gardevoir Shiny ou Zoruar Turbo? Gardevoir. Je tape les deux que j'aime le moins comme d'habitude. Et tu commences par quoi, ma chère Sandar? Offensive vapeur ou évolution? Offensive vapeur. Oh bah d'accord. Allez, on commence avec un Grelasson. What what? Petit Pokémon mouton. Ouais, j'adore ce Pokémon, il est trop mignon. Un tic, sans le tac. Grenipio, Scalpion, Brutalibré, Anorite, Fossil Griffe Anorite, justement, parfait. Ça va avec. Trop mignon. Qu'est-ce que t'as? Bah c'était la reverse ça? Apparemment. Quoi, c'était la reverse? On n'a pas de reverse? Attends, c'est quoi le délire là? Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 9, c'était censé être une reverse. T'as pas de reverse. Pourquoi j'ai pas de reverse? Mais pourquoi t'as pas de reverse? C'est pas possible. Mais attends, j'ai quoi après? Mais t'as un truc de fou après. T'as la 68-74. Qu'est-ce que c'est? Ouh, que j'ai déjà. C'est trop triste. Il l'a déjà. La méga Steelix X. Mais attends, t'as pas de reverse. Moi, ça me choque 10 fois plus que l'Ultracta là. C'est une arnaque. Attends, mais est-ce que vous avez déjà vu ça dans un booster? Elle n'a pas de reverse. Je tombe sur le cul. Bon, attends, t'as eu une méga X. Ouais. Pas Foulard, mais t'as eu une méga X. Donc, on et est content. Double type en plus, type combat et ouais. Type acier. Elle est belle, elle est carrément belle. C'est un Steelix shiny, je crois, ou alors c'est le méga Steelix qui est de cette couleur. Bravo, en tout cas, Sandar, bravo. Ouais, pour ton ça faisait longtemps que là, j'avais une... pas eu de Dex en plus, et du coup, c'est cool. Bien. Petit booster évolution. Ouais, du coup, on espère qu'il y ait une reverse. Ah, Dojo, Bonita, ah, sac déjà, de nœuds, ouais, Aspico, déjà... ouais, mais pas en neuf. Pas en neuf, ah, c'est possible, c'est possible. Sablette, je crois que je l'ai. Crisacier. Va-t-elle avoir une reverse? C'est la question qu'on se pose tous. C'est clair. Ah, le dresseur, le spray des évolutions. Ouais. Faites désévoluer l'un de vos Pokémon, évoluer et mettez sa carte évolution de plus haut niveau dans votre main. C'est le reverse? Oh! Mais c'est pas le reverse. C'est après, excuse-moi. On est en panique, on ne comprend plus. Je dis, est-ce qu'il y a des reverse dans un booster? Ah, t'as une reverse. Ah, j'ai une reverse. T'as une reverse. Oh, sympathique. Coucou Isner. Coucou Isner. Elle est belle. Est-ce que t'as quelque chose? T'as déjà une ex alors? Je vais jamais pouvoir te battre si t'as quelque chose. T'as quelque chose ou pas? Oh putain! C'est quoi? 108? 108? C'est une dresseur full art? Non. Je la voulais trop cette carte, je la voulais trop. La Ondine Foulard, ça fait trop longtemps, on râle. Ton Ondine Foulard, mais comment tu veux que je batte ça? T'as gagné. Attends, ce coffret est trop bien. T'as une Foulard, t'as une X, t'as un booster sans reverse, ce qui est incroyable. Elle est magnifique. Oui, je suis trop content. Mais attends, elle est dorée d'habitude? Oui, c'est normal, c'est les ultra en Foulard, elles sont toutes dorées. Hein, ça. Trop classe, putain, je suis trop content. Ondine, qui est un de mes personnages préférés de. Bah, qui est presque même mon personnage préféré de... du dessin animé. On s'était un peu spoilé cette carte. On la connaissait, on la voulait tous les deux. Et du coup, on la voulait. T'as l'impression de Psycho-Quack. Et moi, j'adore Psycho-Quack, c'est mon comme c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit psychoquac derrière. J'aurais été genre. C'est vrai, tu vois, mais... la composition est juste trop trop belle. Et j'adore les dresseurs full art. C'est beau. Ça rattrape l'ouverture d'il y a deux semaines. Ah franchement, bah c'est largement. Et voilà, on a changé de place. Donc, moi, c'est pareil, je vais commencer par l'offensive vapeur parce que j'ai envie de garder l'évolution pour la fin. Non, c'est Xerneas Turbo. Xerneas. Mais c'est Xerneas. Je crois que je l'ai appelé Veltal tout à l'heure. Donc, non, c'est bien Xerneas Turbo, excusez-moi. Un petit Miaouss. Est-ce que je vais avoir un reverse? C'est la question. Un Démantin. Un Watt que tu as eu tout à l'heure. Le Yanma que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette carte. Le coucher de soleil est très beau. Mysticram, je l'ai déjà aussi. La recherche spéciale, je l'ai peut-être pas. Je ne sais pas. Clic. Clic, du coup, qui va avec mon tic. Exactement. Bien Spiritual Steelix. J'ai une reverse. Avec Clamiral en reverse. L'illustration est assez étonnante. Je suis pas trop fan. Et j'ai une rare. Ah, une holo. Ah, une holo. Pharamp. Sympa. Que j'avais déjà, mais une holo. C'est une très bonne ouverture, quoi qu'il arrive. Le petit Topiqueur que je ne suis pas sûr d'avoir, mais c'est possible que si, je ne sais plus. Fantominus. Le petit Chenipan. Ah, l'énergie électrique. L'échange. Le petit Nidorino qui est aussi une carte mythique de la première G. Ah, le lien spirituel au carnage parce qu'ils ont effectivement rajouté les méga roucarnages et tout dans l'évolution. Oh, trop cool. L'énergie feu en reverse, ça me fait très plaisir parce que j'aime beaucoup les énergies en reverse. Et une rare, je crois que c'est la même. Non, oh, elle est trop dans rare.
C'est pas une belle carte, c'est pas une belle carte. Bon, t'as gagné, j'ai une holo, c'est tout. Et t'as eu la dresseur foulard, t'as eu Ondine que... Elle a eu Ondine foulard. Alors là, je suis vraiment trop content, c'est une carte, mais... Donc oui, super content, vraiment content de cette foulard. C'est la carte que je voulais vraiment de cette série, mais vraiment, hein, je te le promets. Aussi. Merci beaucoup Sandra pour cette ouverture, parce que là, pour le coup, t'as tout pété. Et du coup, bah, on se retrouve pour une prochaine ouverture la semaine prochaine. Voilà, je ne sais pas qui y aura avec moi, si je serai tout seul, ou si ce sera toi, on ne sait pas. Laissez-nous un pouce bleu si ça vous a plu, parce que ça nous fait vachement plaisir. Pareil pour le commentaire, hein. Vous n'êtes pas obligé, mais ça nous fait très très plaisir. Et abonnez-vous si c'est pas encore fait, bah comme ça vous ne loupez pas les prochaines vidéos. Et c'est pareil, on est de plus en plus nombreux, de plus en plus de visibilité, et on est de plus en plus contents. Mettez du coup en commentaire laquelle des cartes vous avez préférées. Ok, bah si vous préférez mon électrode dégueulasse, allez-y. Mais la Mega Steel X, la dresseur full art, parce que... Mon énergie full reverse, c'est très bien. Ouais, voilà. Et dites-nous aussi ce que vous pensez du fait que j'ai pas eu de reverse. Dites-nous si vous avez déjà vu ça. Ouais. Moi j'ai regardé beaucoup d'ouvertures dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'ouvertures dans ma vie. J'ai déjà vu des cartes mal coupées, ça arrive souvent. Mais alors qu'il n'y ait pas de reverse, je n'ai jamais vu ça. Salut. Salut.